belle robe, et moi je me retrouve là. Ça s'appelle le relais des âmes. Plus de jambon. Père, Gustin, vise un peu ce qui nous arrive. Marie Adélaïde, veuillez châtier votre langage, ma fille. Oula. Ah, mais c'est ici! Voilà donc le fameux relais des dames. Bien, bien, bien. Ça me semble de meilleur goût que les tavernes puantes environnantes. C'est donc ici qu'elle vit. Marie Adélaïde! Oui! Allez donc recevoir cette eau comme il se doit! Oui, mère. Bien bonjour, messire. Je vous propose ma meilleure table. Je vois que monsieur est en habit. Un dauphinois et une tomme fraîche. Il y a méprise, jeune fille. Je ne suis pas là pour ripailler. Hé, la bonne dame. Ne serait-ce pas là votre fille? Et combien même? Aurait-elle quelque intérêt pour vous? Ou auriez-vous quelque intérêt pour elle?
que Nenny, mais d'autres lui portent un intérêt certain. Poursuivez. Je suis homme de bien, homme d'honneur, enfin, homme d'esprit, mais aussi précepteur. Et je suis mandaté par monsieur le marquis de Bressieux pour m'assurer de l'éducation de votre fille, voire de la parfaire. Et pour quelle raison le marquis aurait-il le souci de l'éducation de ma fille? Secret de polichinelle. Combien qu'ils sont inquiètes. Ouais, t'as raison. Tout le monde est au courant. Il n'y a qu'à la regarder. En plus, elle est née avec la marque du marquis. Mais encore, qu'est-ce donc que cette histoire de marque du marquis? Mère! Mère, mais démentez donc! Je n'avais jamais pensé de voir un jour t'entretenir du secret de ta naissance. Mais enfin, mais ne me dites pas que vous étiez consentante. Mais bien sûr que non! Mais nous parlons bien du marquis! Mais si fait, ma fille, si fait! C'est lors d'un retour de chasse qu'il abusa de moi! De toutes les manières d'obtenir d'une femme, la moins sûre est de lui demander gentiment. Échappé de Bicêtre! Morceau de viande mal accroché! Cadavre pestiféré! Figure de mannequin! Les mots, ma fille, les mots! Ça n'est pas parce que nous sommes des aubergistes que nous n'avons pas d'éducation. Je vois là que cette éducation possède quelques lacunes, chère madame. Mais tout est éducation, ma bonne dame. L'éducation est à l'âme ce que l'hygiène est au corps. Oui, je vous donne un exemple. Cet établissement est régenté, il me semble, par la gente féminine. Eh oui. Or, si l'éducation était présente comme il se doit, la règle de proximité, vous m'entendez, la règle de proximité qui date de l'Antiquité s'appliquerait dans son ensemble. C'est-à-dire que ce sont nous, les hommes, qui ferions tourner le monde. Eh oui. Et que par conséquence, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ah bon? La règle de proximité dit que lorsque deux genres se rencontrent, un homme, une femme, il faut que le plus noble l'emporte. N'est-il pas vrai, messieurs? Mais quoi qu'il dit, le mannequin. Je vous donne un exemple. Oui. Quels sont vos prénoms? Marie-Charlotte. Justin. Donc, si je dis familièrement, bien sûr, Gustin et Marie-Charlotte sont amis IES, je doute fort que ma démarche rencontre un franc succès auprès des hommes. Et je crains fort de blesser Gustin dans sa fierté de mâle et qu'il ne soit plus mon ami du tout. Ben, c'est tant mieux. Vous n'êtes pas. Je comprends bien. Il n'y en a toujours que pour les hommes. Eh oui, mère. L'homme est la règle, mais la femme, l'exception. Étant donné les lacunes de l'éducation de votre fille, je vous rappelle que le marquis de Bressieux m'a mandaté pour lui apprendre à lire. Minimum, écrire, compter et lui donner quelques notions de science et de maintien. Mais enfin, monsieur, je suis instruite. Et je lui ai transmis tout mon savoir. Oui, monsieur. D'ailleurs,
je sais lire. Je sais écrire. Et je sais compter. D'ailleurs, savez-vous pourquoi nous, les femmes, nous travaillons si peu? Eh bien, tout simplement parce que nous réussissons tout dès la première fois. N'est-il pas vrai, madame? Je n'ai pas attendu que monsieur le marquis daigne s'en inquiéter. Toc. Ça lui embouche à quoi, on m'a dit hein? Mais que faites-vous des sciences, des connaissances? Mais nous savons que les usines se développent, que les fermes montgolfières ont inventé un ballon à air chaud, pas très loin d'ici, à Annonay. Et la machine à vapeur inventée par James White, c'est un Écossais. Eh oui. Eh oui, monsieur. Eh oui. Nous ne sommes ni sottes, ni soumises. Eh oui. Les progrès sont déjà là. Une nouvelle science a même été inventée. L'économie. D'ailleurs, l'un de ses inventeurs, un Écossais également, un certain Adam Smith, et l'invité d'honneur du marquis le mois prochain. À cette occasion, vous êtes fortement conviés au château. Et qu'est-ce que ce monsieur vient faire chez le marquis? Oh, il vient lui donner quelques conseils pour faire fructifier la région. Et c'est bien. C'est très bien, oui. Qu'est-ce que ça va vous rapporter, toutes vos sciences? Que du malheur et de la mauvaiseté aux hommes. Tiens, la peste, elle est bien revenue à Marseille, et ça, ce n'est pas de la science, mais uniquement un châtiment infligé par Dieu pour racheter tous nos péchés. Marie-Adélaïde, ton père est là, alors, marque ou pas marque du marquis, tu n'as rien à faire au château. Marie-Adélaïde, je suis ton père. Et de quel droit, monsieur le marquis, exige-t-il la présence de ma fille? Ne vous en déplaise, mère. Il me plaît d'en découdre avec ce père. Je veux lui faire regretter ses actions passées. Et si le noble masculin l'emporte sur le genre féminin, le féminin ne s'en laissera ni compter, ni compter. Mais je reconnais bien en vous la finesse et l'audace de monsieur le marquis. On commence quoi? Marie-Adélaïde, les mots, ma fille, les mots! Monsieur daignerait-il me tenir informé de la suite des événements? Voilà, je vous trouve plaisante de me parler ainsi. Oui. Trêve de discussion. D'accord. Je pense que moi, je pensais avoir instruit une nièce. Vous savez, une nièce, ce n'est pas une mince affaire. Vous pensiez? Je le pensais. Je m'aperçois que vous avez un cerveau sous le chapeau. Tout à fait. Et instruire une nièce, c'est comme remplir un panier percé. Oui. Bon, trêve de discussion. Nous sommes d'accord. Je vais l'emmener. Nous allons commencer, vu la belle saison, par la première leçon. Leçon de choses. Les fleurs, les pétales et les roses. Puis demain. Ah, demain, équitation. Trot, galop et belle pause. Mm-hmm.